La région du littoral a renoué avec la ligue spécialisée football jeune. Déjà, il faut dire que le football jeune regroupe les benjamins, les minimes, les cadets et les juniors. Parce que c'est cette tranche-là qui est concernée par le foot jeune. Les seniors n'y font pas partie. La période qui nous a été assignée par la hiérarchie, c'est la période octobre jusqu'à la période fin mai. Les activités relatives ont été lancées ce mercredi 16 août 2017 à Douala, sur l'aire de jeu du stade annexe Omnisport de Bepanda. Le nom d'abord du tournoi, c'est le tournoi de vulgarisation. Et on entend par vulgarisation promotion. Donc nous sommes dans la promotion du football jeune et surtout le faire renaître à nouveau. Donc ce tournoi va se dérouler en un mois, mais le championnat jeune commencera naturellement en novembre, au mois de novembre. À l'occasion, environ 20 équipes issues des centres académiques et des différentes catégories ont répondu présents. Tous les joueurs munis de la licence. Le football, activité au menu, le public qui a fait le déplacement du stade a eu droit à deux matchs de haute facture pour une satisfaction des acteurs. Ensuite, du point focal régional, Ligue spécialisée football jeune du littoral. Ouais, nous sommes encore au lancement, mais je peux déjà dire qu'on peut, pour un début, être satisfait. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'années que le football jeune n'a pas eu une grande notoriété, surtout positive. Et donc, nous nous rendons compte que le lancement a fait venir beaucoup de monde. On a plus de 20 clubs qui ont représenté, qui ont participé au défilé. Et donc, c'est une première satisfaction. Comme il fallait s'y attendre, les garanties ont été données pour rassurer sur la longévité de cette compétition dans le littoral. La première garantie en matière de sport, c'est l'homme. C'est la première garantie. Vous faites confiance à l'homme, vous allez faire confiance à son travail et le travail marchera. Et je puis vous rassurer que le président national de la Ligue spécialisée du football jeune est un acteur participant au football jeune. Président de la Pégase de Fouve, victorieux de la Coupe du Cameroun, il est actuellement en tête, en liste pour être champion du Cameroun. Il a une académie de formation, il a deux clubs encore en lice au championnat régional du centre. Et donc, vraiment, une autre garantie que je pourrais vous donner, c'est juste la confiance. Faites confiance à ceux qui sont acteurs du football pour gérer le football jeune. Le foot jeune, c'est reparti. Une trajectoire qui permettra au Cameroun de préparer sérieusement la relève.